Voilà, donc on continue sur cet évangile. On essaye de creuser un sillon. Vous voyez, la parole de Dieu se fait chair en nous petit à petit, à force de la lire, de la méditer, comme la Vierge Marie, de la garder dans notre cœur. Alors le petit passage aujourd'hui, on n'a pas notre récitant aujourd'hui, le Père Paul n'est pas disponible. Mais le passage en question, c'est « Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. » Voilà, c'est juste cette phrase. Donc, dans cette phrase, il y a le fait qu'il quitte son manteau, le fait qu'il bondit et le fait qu'il va à Jésus. Et quand on bondit, oui, c'est ça, merci. Quand on bondit, en fait, c'est qu'on est libéré. Voilà, qu'on est libéré d'un carcan, de ce manteau qui était à la fois sa protection et en même temps son lien qui l'empêchait de venir à Jésus. Et quand on est libéré, ben on est dans la joie. Voilà, tout simplement. On est dans la joie, joie d'un cœur nouveau. Voilà. Alors, on va commencer par un petit sketch. Si Gabriel et son équipe veulent bien s'avancer. Vous pouvez les applaudir parce que ça va quand même être assez chaud. Ah, tu te mets sur ces... Tu montes là. Non, sur celle-là, là. Voilà. Je ne sais pas si ça va tenir parce que c'est des grands gaillards. Donc ici, vous avez le quai de Tibériade. Vous imaginez, vous êtes au lac de Tibériade, il y a un quai. Et de l'autre côté, ici, il y a une barque, la barque de Pierre, dans laquelle est monté Jésus avec ses disciples, avec ses potes. Et puis tout d'un coup... là, il y a Bartimée, enfin on va dire que c'est Bartimée, hein, voilà, qui voit la barque et puis disons ils ont des bonnes têtes là, j'ai envie d'y aller, hein. Alors donc tu vas mettre une, voilà, très bien, voilà. Et alors là c'est pas mal parce que en fait j'ai quand même une sécurité là sur le quai, ouais, sur le quai. Et puis en même temps je profite un peu de l'ambiance. Vous savez, c'est un petit peu, on pourrait dire, les chrétiens du dimanche. Ils vont à la messe le dimanche, ils sont des bons chrétiens. Hein. Mais alors, le reste de temps, c'est ma vie à moi. Vous voyez, c'est... Et alors, Jésus dit à Pierre, avance au large. Alors, ben... Ça va. Ça va, tu résistes? Bon... Avance au large. Alors là, vous savez, c'est... Bon, on a été à la messe ce dimanche, puis quand même, un jour, on est allé dans un groupe de prière. Ça commençait à palpiter, là, hein, ça chauffait. Et on était très contents, mais en même temps, moi, j'ai des amis qui ne sont pas du tout chrétiens, il faut que je les garde, et c'est normal, d'ailleurs. Et donc, je garde quand même une assurance de ce côté-là. Et puis, Jésus dit à Pierre, attends, mais avance au large, quoi. Là, ça va ? Alors vous voyez, il y a un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on arrive aux courbatures spirituelles. Vous voyez, les courbatures physiques, là, ici, là, ça fait mal, là. Mais il y a les courbatures spirituelles. C'est qu'à un moment donné, on est bloqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois bien ce que je veux dire ? Oui, très bien. Voilà. Et alors, on a plusieurs possibilités. Première possibilité... Cette barque, c'est très gentil, mais je ne sais pas où ça va me mener, hein, les gars, là. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va m'emmener. Donc, sécurité. Voilà. Et ça c'est, vous savez, dans l'évangile de Saint-Marc au chapitre 10, au début de l'évangile, il y a un autre épisode d'une rencontre. À la fin, c'est Bartimée. Au début, c'est le jeune homme riche. Ça vous dit quelque chose, le jeune homme riche? Voilà. Et ce jeune homme riche, il était touché par le Seigneur qui a posé son regard d'amour sur lui. Mais au lieu de regarder ce regard, il a regardé ses pieds. Il a regardé sa vie. Il s'est regardé lui-même. Et donc, il n'a pas été capable de faire cette étape. Alors, bon, alors donc, il est tout triste, forcément. Vous voyez comme il est triste? Alors, deuxième opération, tu te remets. Il y a le gars inconscient qui dit « ça va ». Ça va très bien. Et là, Jésus dit « ben, allons-y ». Encore un peu. Voilà, ça devient quand même assez chaud. Hein. Bon, et là, donc Bartimée se dit quand même, non, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que j'y aille. Et alors, il veut y aller. Vas-y,
Vas-y. Non, 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 ça reste. C'est là, il faut que ton pied est là. Allez, ce pied-là, il doit aller dans la marque. Vas-y. Ah, y a des racines, hein. Attends, tu tiens le coup là, c'est bon, tu peux rester comme ça, bon. Donc il y a des racines là. Alors ces racines, elles sont diverses et variées, hein. Les racines, c'est bon, ce que vous avez vécu hier, c'est le péché. Bon, le péché, la solution, vous la connaissez, c'est de recevoir le pardon de Dieu à travers le sacrement de réconciliation, quand c'est possible. Quelquefois, c'est pas possible pour diverses raisons, mais on reçoit quand même ce pardon de Dieu. Mais alors, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui nous tient? Les peurs. Peur de l'inconnu. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le diable, Satan. Il dit non, non, mais attends, avec lui, tu sais pas ce qui va. Tu sais pas du tout, ça va. Moi, je t'assure une bonne vie. Oui? Le découragement. Non, ça nous. C'est pas. C'est d'actualité, le découragement? Non, hein? Vous essayez un petit peu quand même. Le découragement, ça c'est vraiment le cœur du problème. Et d'autres choses? Les jeunes là. Qu'est-ce qui accroche? Le regard des autres. Ah ah! Merci, merci, merci. Ça c'est très. Ah, ça c'est un gros lien, ça. Un gros lien. Et encore d'autres? Le doute. Le doute. Le doute. Le confort, mon confort, eh oui. Oui, parce que dans la barque, ça tangue, hein, tandis que sur le quai, c'est stable. Ouais. Les habitudes, surtout les mauvaises. Mauvaises habitudes. Enfin, voilà, encore? La routine. La paresse. Oui, donc on a dit la peur, l'angoisse. Oui. Bon, voilà, ok, hein, c'est bon. Alors voilà, alors tout ça, y a, pour pouvoir s'en sortir, là, Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son pied. Eh ben non, ben, il faut pas regarder son pied. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Faut regarder Jésus qui est dans la barque. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui va nous libérer. C'est pas nous qui nous allons libérer. Allez, vas-y, vas-y, vogue, vogue la galère. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. Alors on va écouter le témoignage de Marine, qui va nous un petit témoignage sur qu'est-ce que c'est que quitter son manteau. Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Marine, j'ai 23 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en décembre 2019, et j'ai passé un an en tant que volontaire au Rancher de Nîmes, le meilleur, c'est la meilleure antenne. Et je voulais vous partager, j'ai reçu plein de grâces du Seigneur cette année, enfin vraiment, c'est impossible de les compter, mais je voulais vous en partager une en particulier sur la connaissance et l'acceptation de moi. Et l'abandon de un peu de l'image que j'avais de moi et que je voulais donner aux autres. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très très perfectionniste. J'aime quand les choses sont bien faites. Enfin, pour moi, si on dépense de l'énergie à faire quelque chose, ça sert à rien de mal le faire. Donc, il faut que tout soit beau et parfait. Et c'est un peu ça dans tous les domaines de ma vie, que ça soit dans le travail que je rends ou en particulier dans ma personnalité. Avant le rocher, j'avais tendance à montrer que ce qui est beau et que ce qui est abouti. Donc j'étais un peu en représentation permanente, une jeune femme souriante, sociale, dynamique, tout ça. Et puis tous les côtés un peu moins beaux, un peu moins reluisants, je les réservais à ma famille, ils avaient de la chance. Et donc voilà, je gardais pour moi ma colère, mes doutes, mes peurs. Et du coup, en fait, j'étais pas du tout unifiée. Et j'étais très mal à l'aise, j'avais pas confiance en moi, etc. Bon, à l'époque, j'arrivais pas à mettre les mots dessus, mais maintenant, je m'en rends compte. Et là-dessus arrive le rocher. Donc, au rocher, comme vous avez pu le comprendre, on a une vie très intense.
C'est chouette, hein, mais on est fatigué, on les habitants nous partagent des situations difficiles, on est dans un environnement plus ou moins paisible, souvent s'attire le soir, etc. Et donc la Marine, souriante, joviale, motivée, tout ça, hop là, est partie. Donc j'avais vraiment l'impression d'être à longueur de journée, en fait, la pire personne que je pouvais être. Enfin, vous prenez tous vos petits défauts et tous les trucs qui vous énervent en vous. Et en fait, c'était ça tous les jours à longueur de journée. Donc pas très agréable comme situation. Bon, heureusement, la mission au Rocher est bien faite. On a notre rendez-vous quotidien avec le Seigneur 2 heures par jour. Et petit à petit, il m'a fait comprendre. Alors, il ne l'a pas fait en grosse révélation d'un coup parce que je me serais effrayée, mais il a fait ça tout en douceur jusqu'à ce que je reçoive un jour dans la prière la phrase de Saint Paul aux Corinthiens. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse sa demeure en moi. Et là, je me suis dit, mais c'est ouf ce truc. Enfin, ok, je suis faible, ok, j'ai mes limites, ok, j'ai mes défauts, ok, je suis impatiente, je suis en colère, je pleure tout le temps. Mais en fait, grâce à Dieu, parce qu'en fait, c'est enfin là qu'il peut agir, c'est enfin là qu'il a la place de faire des choses dans ma vie. Et donc voilà, il y a eu tout un processus au long de l'année pour non seulement en fait accepter mes limites, mais en plus en être fière, quoi, parce que c'est là que Jésus agit. Et donc voilà, pour conclure, quand on laisse la place au Seigneur, quand en fait, moi j'étais tellement épuisée que je lui ai dit, bon bah ok, moi j'en peux plus là, vas-y, fais le boulot. En fait, il fait des merveilles. Enfin, cette année, c'était incroyable. Et voilà, le Christ fait des merveilles dans vos vies quand vous le laissez agir. Merci beaucoup. Voilà. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Bartimée était celui qui représentait la faiblesse, et c'est à travers cette faiblesse qu'il accepte, en quittant son manteau, en bondissant, en allant vers Jésus, qu'il est transformé. Et c'est important de ce que disait Marine, c'est que ma grâce te suffit. Il faut bien se situer. Ce qu'on vient de faire, le petit sketch qu'on vient de faire là, quand je disais, si tu regardes ton pied, tu vas pas avancer. Si tu regardes le Seigneur, oui, tu pourras faire ce pas. En fait, tout est grâce, c'est ce que disait la petite Thérèse. Tout est grâce. Ça veut dire que toute cette décision de quitter le vieil homme, l'homme ancien, eh bien, c'est d'abord un don de Dieu. C'est d'abord un cadeau du Seigneur. Et ce cadeau, il vient d'où? Eh bien, il vient de la croix. C'est bien aujourd'hui, en ce vendredi, ici à Paray-le-Monial, où Jésus révèle son cœur transpercé, c'est important de contempler la croix et de comprendre que si nous pouvons quitter notre manteau, notre vieille peau, c'est parce que le Christ, lui, a quitté le ciel pour venir ici-bas sur la terre. Vous avez ce beau texte de Philippiens au chapitre 2, hein, le Christ qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit. Voyez, le Christ s'abaisse. Le Christ descend. Le Christ descend. C'est important de comprendre que nous ne pourrons aller à lui que parce que lui est venu à nous, sinon c'est impossible. Je dis ça pour ceux qui sont un peu volontaristes ou perfectionnistes, comme le disait Marine, qui voudraient faire leur sainteté un peu à la force du poignet. Et finalement, derrière ça, c'est notre orgueil qui est bien vivace. Vous savez, le vieil homme, on l'a plongé dans l'eau du baptême, mais il sait nager. Hein, donc. Il ressort facilement, voyez. Et donc, on doit faire attention à cet équilibre entre le fait que nous avons à poser des actes pour nous déterminer vis-à-vis de Dieu en quittant notre manteau, mais aussi et d'abord à recevoir le don de Dieu pour pouvoir opérer cet acte humain de libération. Et c'est ce beau texte aussi que j'aime beaucoup de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9,
Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, vous trouviez la richesse. Donc on ne trouve pas la richesse sur les hauteurs, les cimes, mais dans la profondeur des vallées. Je pense à ce petit témoignage de Thérèse de Lisieux qui un jour reçoit une lettre de sa sœur Céline qui n'était pas encore rentrée au Carmel. J'ai raconté ça hier d'ailleurs à quelqu'un. Et qui accompagnait son papa, Louis, qui était Alzheimer, enfin qui avait un problème de neuronal assez fort, donc c'était difficile. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup de comptabilité dans la prière pour savoir combien on avait eu de distractions, etc. Et donc Céline écrit à Thérèse en lui disant « Ma sœur Thérèse, c'est décourageant, j'ai eu 17 distractions dans mon temps de prière. » Alors, Thérèse lui répond, elle lui dit « Ah bon, 17, mais 18 fois vous êtes revenu vers Jésus. » 18 fois vous êtes revenu vers Jésus. Donc Thérèse positive toujours la chose, c'est la petite voix. Et elle lui dit « Vous voulez monter, grimper une montagne inaccessible et le Seigneur vous invite à descendre dans une vallée fertile. » Voilà, il faut qu'on descende. Zachée, descends de ton arbre. Vous voyez, c'est cette descente qui n'est pas très spontanée pour nous, parce que comme le disait Marine, ben, on se fait un peu un personnage, et on essaie qu'il soit à peu près correct aux yeux du monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il a été dit par une ado, là, le regard des autres. C'est peut-être la chose qui est la plus difficile à quitter. Donc, il faut comprendre que Jésus a opéré pour nous l'œuvre de salut. Et ça, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Je n'ai pas besoin d'acheter l'amour. C'est ce que dit le Cantique des Cantiques. Hein. Celui qui voudrait acheter l'amour serait le plus malheureux de tous les hommes. L'amour est totalement gratuit. Et quand Jésus présente son cœur transpercé à la croix, il montre jusqu'où va la gratuité de l'amour. Puisque ce cœur transpercé n'avait pas besoin de l'être, Jésus était déjà mort. Mais il voulait, hein, c'est ce que disent les mystiques, il voulait montrer que ce cœur restant ouvert serait ouvert pour l'humanité jusqu'à la fin du monde. Alors ça pose la question pour nous de vivre de la grâce de notre baptême, de revenir à cette grâce que nous avons reçue, je pense pour la plupart d'entre nous ici, cette grâce du baptême. Et cette grâce du baptême nous fait passer de la mort à la vie. Je lis au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Bartimée va passer de la cécité à la vision. Il passe de la mort à la vie. Il passe des ténèbres à la lumière. Il passe du péché à la grâce. C'est ce que nous avons reçu au jour de notre baptême. Et ce don-là demeure en nous, mais il est facilement enfoui dans un tas de choses qu'on a mis au-dessus et qui nous empêchent de vivre pleinement notre vocation de fils et de fille de Dieu. Vous voyez, hein ? Passer de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, ce que dit saint Paul, c'est vraiment quelque chose qu'on a à demander chaque jour. La conversion, c'est une œuvre de chaque jour. Quitter son manteau, quitter sa sécurité, quitter son péché, c'est une œuvre quotidienne. Hein, on voudrait que ça soit fait une fois pour toutes. Ça y est, c'est réglé. Je me suis confessé, c'est bon. Eh bien non, c'est de confession en confession. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, mais la confession, le sacrement de réconciliation, c'est vraiment une œuvre de résurrection du baptême en nous. Ce n'est pas simplement le pardon des péchés, c'est une œuvre de résurrection. C'est ce que dit saint François de Sales. Il dit, par le baptême, non seulement nous recevons les pardons de nos péchés, mais nous recevons la lumière pour discerner le bien et la force
pour l'accomplir. Et vous avez remarqué, quand vous vous confessez, quand nous nous confessons, alors que les petits péchés, les uns alignés aux autres, affaiblissent notre volonté et obscurcissent notre intelligence, la confession vient comme restaurer, pas comme, elle vient restaurer la grâce initiale du baptême. C'est un peu comme si, dans chaque fois que je me confesse, je suis de nouveau baptisé. Alors, ce n'est pas juste parce que je ne suis baptisé qu'une fois, mais en fait, je suis restauré dans toutes les grâces de mon baptême, de ma confirmation, de mon sacrement de mariage, de mon sacrement de l'ordre. Mais tout part du baptême. Tout part du baptême. Et dans le baptême, on reçoit tout. Juste un petit rappel. On reçoit d'abord le pardon de tous nos péchés. On reçoit aussi cette vocation incroyable de devenir fils et fille du Père. Nous étions tous enfants de Dieu par notre humanité, mais là, le Seigneur restaure la relation. On parlait de cette relation avant-hier ou hier. Oui, il restaure cette relation et il l'élève, puisqu'il nous fait participer à sa propre nature divine. Par grâce, bien sûr, parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais il nous fait participer, c'est ce que dit Saint-Pierre. Participons de la divine nature. Nous sommes Dieu avec Dieu et grâce à Dieu. Et cette vocation, elle est immense. Nous n'avons pas fini d'en faire le tour. Et à travers le baptême, nous recevons aussi les frères. Voilà, les frères, c'est ce que nous vivons dans cette session. Nous recevons des frères. Pas des amis d'abord, mais des frères, c'est-à-dire des personnes que Dieu nous donne pour grandir avec lui sur le chemin de la sainteté. Des frères. Et puis, il nous donne par cette grâce sanctifiante, c'est-à-dire cette communication divine en nous, qui est faite par l'Esprit-Saint, eh bien, il nous donne ces belles vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Ces vertus infuses, c'est des vertus qui sont faites pour nous faire grandir dans notre vocation de baptiser. Quand on regarde la foi de Bartimée, c'est impressionnant de voir cette foi. D'abord, une foi persévérante, il crie jusqu'à ce qu'il soit entendu. Et puis une foi active, il jette son manteau, il court vers Jésus. Puis une foi humble, il est devant Jésus, on verra ça demain. Et puis une foi confiante, il suit Jésus. Vous voyez ? La foi, c'est cette certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On dit une certitude de foi, ce n'est pas une certitude mathématique, c'est une certitude de foi que Dieu ne m'abandonnera jamais. Et que dès que je crie vers lui, il vient. Il vient. Et bien, la foi, c'est bien sûr un contenu. C'est pour ça qu'on dit notre credo. Il y a un contenu de la foi qui nous permet de cheminer dans la vérité de l'évangile. C'est une grâce, comme je l'ai dit, c'est un don qui nous est fait. Et c'est aussi un engagement de notre part, l'engagement de Bartimée à suivre le Christ, parce qu'on a compris que nous voulions qu'en lui, nous trouvions toute notre vie, notre salut. Alors, quitter pour suivre le Christ, dans le même évangile de saint Marc, à la suite du jeune homme riche qui n'a pas, à ce moment-là, suivi Jésus, Pierre va dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Pierre et les apôtres ont quitté leur famille, ils ont quitté leur métier, ils ont quitté leur vie, mais ils se sont quittés eux-mêmes. Et Jésus leur promet, leur fait une promesse. En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc le Seigneur fait aux disciples et nous fait une promesse. La promesse que si nous choisissons aujourd'hui de lui dire oui,
aujourd'hui, hein, parce qu'il faudra dire oui demain, hein, donc c'est aujourd'hui, il nous promet des frères, il nous promet une sécurité en lui qui passera par des frères et des sœurs, des maisons et tout ça. Et il rajoute un petit mot quand même, avec des persécutions. Pourquoi avec des persécutions ? Ben parce que Dieu ne nous retire pas du monde. Au contraire, il nous laisse, il nous met dans le monde. Et dans le monde, qui est aussi le monde de mon cœur, il y a encore cette division entre les ténèbres et la lumière. Et donc les persécutions, elles vont naître du fait que moi, je veux vivre dans la lumière, mais que le démon veut rester dans les ténèbres. Il ne veut pas se dévoiler. Voyez ? Et donc, on vit dans cette promesse du Christ, mais il faut être réaliste, cette promesse passe par un combat spirituel. Un combat spirituel. Dieu nous a donné toutes les armes pour ce combat. Hein, vous pouvez lire Éphésiens au chapitre 6, à la fin de la lettre. Hein, la cuirasse, le javelot, le casque du salut, la cuirasse de la justice, etc. Le bouclier de la foi. Mais il faut savoir hein, que, comme dit Saint Paul, nous ne combattons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances des ténèbres. Alors quelquefois, les êtres de chair et de sang s'allient aux ténèbres. Alors évidemment, c'est plus compliqué. Et quelquefois, nous faisons l'expérience dans nos travaux, dans nos jobs, dans nos familles, dans nos situations quotidiennes, qu'il y a de la résistance. Alors par rapport à ce combat spirituel, une arme importante, c'est... Enfin, une attitude importante, c'est on aurait tendance à vouloir prendre des armes humaines, du jugement, de la condamnation, des personnes. Et en fait, non, il ne faut pas se tromper de combat. D'abord, ce combat, c'est le combat de Dieu en nous. C'est ce que dit l'ange hein, dans l'Ancien Testament. Il dit, ce combat n'est pas le tien. Alors qu'un roi d'Israël doit combattre une armée très puissante en face de lui, il commence à paniquer et Dieu lui dit, non, non, ce combat, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Et donc l'armée va être complètement décimée sans qu'eux-mêmes touchent un seul des ennemis. Donc ce combat n'est pas le tien. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, une autre phrase qui peut nous aider dans Zacharie, c'est « ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Laissez agir l'Esprit Saint. C'est lui le maître du combat. Ça suppose, nous, que nous nous positionnons de manière claire, mais c'est lui qui agit en nous. Parce que ce combat, c'est un combat qui dépasse complètement nos forces humaines. Et il y a un combat pour lequel le démon ne cesse de nous attaquer. Vous savez, c'est le démon qui vendait ses ustensiles de tentation au marché. Je ne sais pas si vous avez... Allez, tous les ustensiles. Alors, voilà. Et puis, il y en avait un qui était beaucoup plus usé que les autres et qui coûtait beaucoup plus cher. C'était surprenant. Elle leur dit, mais c'est quoi cet objet de tentation ? Et il dit, c'est le découragement. Avec ça, je peux rentrer dans n'importe quelle âme et en faire ce que je veux. Vous voyez, donc faut pas être naïf, il faut être un peu éveillé. Hein, et la grâce du baptême nous rend éveillés pour ce combat, pour dire, avec le Christ, dans l'Esprit Saint, j'ai déjà la victoire. Ça veut dire aussi, très concrètement, quitter son manteau, c'est renoncer à certaines pensées que le démon amplifie en nous, des pensées négatives. Il faut savoir comment on traite les pensées. Les pères du désert avaient des armes très puissantes contre les pensées négatives. Quand une pensée monte en nous, je suis nul, ou j'y arriverai pas, ou les autres sont meilleurs que moi, ou etc. etc. Ça, c'est pas... Eh bien, je renonce à ces pensées. Je dis, non, ça c'est faux. Vous voyez, se réveiller, mais on renonce aux pensées avec l'arme de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de parole dans votre cœur, le diable pourra faire ce qu'il veut. Mais si vous avez une parole, comme Jésus au désert qui dit, hein, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est dit, l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est l'arme offensive contre les attaques de l'ennemi. Voilà, je m'arrête sur ce petit combat spirituel, mais je voudrais terminer sur le mot confiance.
confiance, lève-toi, il t'appelle. Donc Bartimée est rempli de ce mot, confiance, confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est la foi amoureuse, c'est la foi affective, c'est la remise de moi-même à un autre, c'est d'accepter de me laisser conduire. Et vous savez, un jour, Faustine, Sainte Faustine, elle le raconte dans son cahier, elle dit, un jour, elle a une apparition de la petite Thérèse, qui était morte quand même un peu avant elle, et elle, Faustine dit à Thérèse, dis Thérèse, est-ce que je serai sainte? Alors Thérèse la regarde avec une grande tendresse et lui dit « Oui, oui, tu seras sainte. » Alors Faustine pense que Thérèse n'a pas bien compris sa question. Elle dit « Mais est-ce que je serai une sainte canonisée ?» Alors Thérèse la regarde avec une très très grande tendresse et elle lui dit « Oui, tu seras une sainte canonisée. » Pourtant, aujourd'hui, il te manque encore une seule chose. Une seule chose. Tu n'as pas assez confiance en Dieu. Tu n'as pas assez confiance en Dieu. La confiance, c'est vraiment la clé de notre vie. C'est la seule réponse que Dieu attend de nous. C'est la réponse à sa miséricorde. Ce n'est pas une confiance naïve, parce qu'on sait très bien que quand on pose des actes de confiance, par moments c'est difficile, on n'a pas le sentiment de le faire, on n'a pas la situation, on est dans une situation de contradiction intérieure ou extérieure. Et c'est le moment, justement, de dire « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est une démarche libre à laquelle le Seigneur nous invite. On verra demain dans la rencontre de Bartimée avec Jésus. Mais déjà, on voit bien que Bartimée, en entendant ce mot confiance, déjà, la libération se fait. Il bondit, il court. Pour un aveugle, c'est un peu dangereux. Il court vers Jésus. Il court vers le Seigneur. Alors je termine avec cette belle prière que vous connaissez, au moins le début de Saint-Claude. Saint-Claude la Colombière, qui a, en passant à Paray-le-Monial et en écoutant Marguerite Marie, a été mis à l'école de la confiance. C'était un homme qui était scrupuleux, qui voulait faire aussi un peu sa sainteté par lui-même, à la mode de son temps. Et voilà que, en entendant Marguerite Marie lui parler des révélations du cœur de Jésus, de ce cœur qui a tant aimé les hommes, est entré avec elle dans cette confiance en Dieu. Et je vous la relis, cette prière que vous pourrez retrouver partout. Mon Dieu, ceux qui la connaissent peuvent la dire aussi, mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Toutes mes inquiétudes. Prenons un instant, si vous le voulez bien, en silence, pour déposer au Seigneur toutes nos inquiétudes.